Et coucou, on se retrouve ici pour le numéro 11, ici, et le numéro 11, ici. Il est immense, le numéro 11. Le numéro 11, ça doit être certainement du papier, vu la taille. Donc, du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, on va prendre le numéro 11. Ah, c'est quoi? C'est des encres. Je pense que ça doit être des encres. Ouais, regardez, j'ai des encres roses. Donc ça, je le testerai aussi avec les tampons que j'ai eu hier et les autres tampons que j'ai eu précédemment. Donc je suis contente de regarder ça, un dégradé de rose. Trop contente, merci ma belle. Alors là, par contre, je vais l'ouvrir sur le côté. D'ouvrir ensemble quand même un petit bout. Je suis désolée, je voulais pas l'abîmer, mais j'ai pas trop le choix. Tu m'excuseras, ma belle, mais ouais, c'est du papier, il est trop beau. Du papier licorne. Pardon, alors je vais pas refaire ce petit peu. Voilà, je vais. Voilà, c'est sur le thème des licornes. Papel para scrapbooking. Papier pour scrapbooking. Regardez. Disney. Diseñador y fabricó en Espagne. Donc sans acide. Acide and lining free. Donc on va le regarder ensemble parce qu'il y a des petites choses. Alors je pense que ça doit venir de Noz parce que là il y a une étiquette où il y a un petit peu de jaune. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Amélie Pragé. Alors il y a. En tout cas, c'est un gros grammage, hein, ça se sent au toucher. Alors là, vous avez un côté étoilé. Ah, mais elle m'a mis encore des planches de chez Action. Là, vous avez ce papier-ci. Moi, je pensais que c'était un kit qui venait de chez Noz, mais en fait, non. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Donc, la feuille, là, je vais la mettre de côté. Ça, je le mets là. Ça, je le mets comme ceci. Alors, voilà. Donc, vous avez du papier. Je vais basculer comme ceci. Alors, vous avez les feuilles comme ça, les die cuts comme ça de chez Action. Voilà, moi j'aurai ce qu'il faut. Je serai parée pour faire des créas sur le thème des licornes. Là, vous avez aussi en bas. Je suis désolée, mais ça ne cadre pas très bien. Sauf si je le mets comme ça et encore. Donc, je vais laisser comme ça. Sauf si je lève ça, mais ça m'embêterait de le lever pour l'autre. Voilà. Comme ça, vous avez celle-ci. Voilà.
Vous avez les papiers en format A5. Donc elle a fait deux par feuille. Celui-ci. Pareil pour l'autre côté, pour ces feuilles-ci, deux par feuille. Elle m'a carrément fait le kit. Le kit entier. Ensuite, elle m'a photocopié ça de chez Action également. Mais tant mieux, j'aurai des trucs sur le thème tropical, sur le thème savane, safari. Voilà, c'est chouette. Là, il y a le papier. Voilà, ça tombe. Voilà. Là, il y a le papier. Encore. Ben, ça, pareil, hein, sur le thème safari, j'aurai de quoi faire. Là, il y a le zèbre. Voilà, un joli papier avec des zèbres. Une page de zébré. Là, sur le thème de la mer de chez Toga. Voilà, je pourrais découper les petits trucs. Ah, donc en fait, les trucs qu'elle m'a mis, c'était de chez Toga. Moi, je pensais que c'était de chez la compagnie des elfes, tout à fait. Je pensais que c'était du magasin du Passion 4 Créatif, mais en fait, non, c'est de là. Enfin, je crois. Là, elle me les a fait en deux fois. Je vais pouvoir tout découper et pouvoir les utiliser. Et les die cut licorne que j'avais eu dans un précédent, le premier, je crois, dans le premier jour. J'avais eu les mêmes die cut. Ah, ben voilà, au moins j'aurai de quoi découper encore. Ouais. Voilà. Ben merci beaucoup ma belle. Je te remercie beaucoup. Ben, on se retrouve demain pour le numéro 12. Bye bye.